بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ياه والذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ياه والناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهر به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة On reprend Péché et Guérison, page 245, toujours dans le chapitre autour de l'homosexualité. Le chapitre à proprement dit 87, le remède à l'homosexualité. Il y en a qui ne seront pas d'accord évidemment. Pourquoi un remède C'est un grand bien. Quand il parle de remède. C'est donc une maladie. Oula. Ça peut aller très loin aujourd'hui de tenir de tels propos. Rien que le titre, c'est déjà un problème. Le remède à l'homosexualité. On a vu que le premier remède consistait à baisser le regard. On l'a cité. Euh, pas moins de 10 points qui, euh, qui vendent cela et favorisent cela. La deuxième manière de sans préserver, ou bien de trouver un remède contre, c'est d'empêcher l'attachement du cœur. La deuxième manière, c'est d'empêcher l'attachement du cœur. Ça consiste à l'occuper en ce qui va l'éloigner de ceci et s'y si opposer. Donc si ton nef, hein, ton cœur, te fait tomber dans l'homosexualité, il faut que tu quoi que tu occupes ton cœur à t'éloigner de cela. Forcément, si tu attaches ton cœur, on a vu que le regard, hein, c'était une grande chose, une grande porte. Tu ne fais que de regarder. L'homosexualité. Ça vaut autre chose d'ailleurs. Péché guérison, on parle d'homosexualité, ça peut être pour autre chose. d'accord Tu ne fais que regarder l'objet de ton désir, ta convoitise, ton péché. Tu fais qu'y penser, t'occuper en ce sens. Évidemment que tu vas y tomber. Et, en fortiori, pour l'homosexualité. Alors que si tu occupes ton cœur en ce qui est éloigné de cela et s'y oppose, well, alhamdulillah. Logique en vrai. Il s'agit donc soit d'une peur angoissante, soit d'un amour obsédant. Si le cœur est vide de la peur vis-à-vis -vis de ce dont la perte est plus néfaste que la survenue de ce qui est aimé, ou bien la peur vis-à-vis -vis de ce dont la survenue est plus néfaste que la perte de ce qui est aimé, ou bien alors de l'amour pour ce qui est plus utile et meilleur pour lui que ce qui est aimé, et dont la perte est plus néfaste que la perte de ce qui est aimé, si celui-là, qui soit dans un cas de figure ou un autre, les quatre qu'on a cités ici, y reste, il ne trouvera alors aucun échappatoire à l'amour des représentations. L'explication de cela, ça peut être flou et philosophique, c'est que l'âme ne laisse une chose aimée que pour ce qui est plus aimé encore. Plus simplement dit, l'âme ne laisse une chose aimée, alors que cette chose aimée soit licite ou non, hein, mais l'âme peut aimer des choses. Sachez que l'âme ne laisse une chose aimée que pour ce qui est plus aimé encore, ou bien la crainte d'une chose mauvaise dont la survenue lui est plus néfaste que la perte de la chose aimée. L'homme a donc besoin pour cela de deux choses qui, si elles viennent à manquer, ou si l'une d'entre elles euh, existe uniquement, ne tirera pas profit de son âme. La première des choses, c'est une clairvoyance correcte. Une clairvoyance correcte par laquelle il distingue les degrés de ce qui est aimé et détesté. Et il donnera alors priorité à la plus élevée des deux choses aimées. D'accord Et il endure le moindre des deux mots afin de se libérer du plus grand. C'est la spécificité de la raison. Et on ne considère pas comme étant doué de raison celui qui agit contrairement à cela. La condition des animaux peut être meilleure que la sienne, c'est-à-dire s'il se précipite notamment sur ce qui le mène à sa perte. Il manque de raison, il manque de discernement. Ou si comme certains peuvent faire, par exemple si celui qui va faire qiyam ou prier toute la nuit, c'est une chose aimée, oui, il va louper fajr. Il est passé à côté d'un plus grand bien. D'accord Donc on doit toujours chercher le plus grand des biens, et éviter le plus grand des maux. <coughs> ce qui est logique. Donc il nous faut une clairvoyance pour cela. De la même manière que ce que tu aimes en l'homosexualité, pour revenir sur le sujet de l'homosexualité, ce que tu aimes de l'homosexualité, tu dois avoir conscience que ça entraînera un grand mal, une chose néfaste. Qu'est-ce qui t'est plus cher Éviter le grand mal, la grande chose néfaste, ou bien aller conquérir ce que tu aimes <laughs> La question qu'on doit se poser, c'est justement peser dans la balance. Et ça vaut pour l'homosexualité, mais ça vaut pour autre chose aussi. Une passion une zina, un amour interdit, par exemple. Ce que tu vas chercher, ce que tu vas aimer, d'accord Mais comme on dit, est-ce que ça en vaut le coup Est-ce que ça en vaut la peine par rapport est ce que tu risques d'endurer Premièrement, il nous faut une clairvoyance, une bonne raison. Et deuxièmement, une forte détermination et une patience. Effectivement, il en faut. Parce que l'âme peut aimer, peut s'attacher à une chose, néfaste pourtant pour redresser l'âme l'empêcher d'y aller un peu comme un chien tenu en laisse hein qui voudrait aller ici ou là il faut de la patience et de la détermination pour retenir ce chien je dirais qu'il faut encore plus de patience et encore plus de détermination pour retenir une âme une âme rebelle donc posséder donc une clairvoyance et posséder aussi une détermination et une patience par laquelle il peut accomplir cet acte ou le délaisser souvent l'homme connaît la valeur de la différence mais la faiblesse de son âme, de sa volonté, de sa détermination l'empêche de choisir ce qui est plus utile, ceci en raison de son avidité, de sa convoitise, la bassesse de son âme, la faiblesse de sa volonté. Si l'homme manque de volonté, autrement dit aussi de foi, il cédera devant le péché. Il faut se montrer déterminé et donc est patient. Celui qui est ainsi, tel qu'on l'a mentionné, ne tire pas profit de son âme, et personne ne tire profit de lui. Allah n'a accordé l'imamak qu'aux adeptes de la patience et de la certitude, ceux qui sont donc certains, fermes, subdines et qui patientent sur les mots engendrés. C'est eux qui dirigent la communauté. Sinon, les autres n'en sont pas capables. Ainsi, il a dit, et c'est sa parole qui se guide, ceux qui sont bien guidés. Surat al-Sajda, verset 24. Nous avons élu parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc, on voit ici. L'endurance, le fait de croire fermement, donc la certitude et la patience. C'est le délire. C'est donc celui qui agit ainsi qui tire profit de sa science et dont les gens tirent profit de lui. Et celui qui agit à l'opposé ne tire aucun profit de sa science, personne ne tire profit de lui. Il est également des gens qui tirent profit de leur science, mais dont les gens ne tirent pas profit. Eux-mêmes, ils tirent profit de leur propre science, mais les gens ne tirent pas d'eux. Le premier chemine avec les gens dans sa lumière. Celle du deuxième a été éteinte, et il chemine dans les ténèbres, avec ceux qui le suivent dans les ténèbres, et le troisième chemine seul dans sa lumière. Le meilleur des cas, c'est quoi C'est de cheminer dans sa lumière, mais d'amener les gens dans cette lumière. Le pire des cas, bien évidemment, c'est le deuxième. C'est le fait bah, d'être dans les ténèbres, et, euh, et même d'emmener les gens dans les ténèbres. Il y a pire que le premier cas, il y a être dans les ténèbres et il y être tout seul. Celui qui pêche et qui pêche et qui pêche, mais il ne demande rien à personne, il ne dit rien à personne. Il y a celui qui pêche et qui pêche et qui pêche, mais qui incite les gens à pêcher avec lui. Il n'y a pas pire. Puis après à une position louable pas la meilleure mais louable c'est celui qui s'occupe que de lui il apprend pour lui il prêche rien à personne il invite personne à rien du tout pas à du mal pas à du bien mais il a sa lumière il avance avec sa lumière Alors déjà qu'on nous compte parmi euh, ce type de personnes là mais encore euh, encore plus fort à fortiori d'être de ceux qui tirent profit de leur lumière et euh, font bénéficier les gens Marshallah. Donc voilà ce qui a été mentionné pour ce chapitre concernant le remède à l'homosexualité. Et pas que ça d'ailleurs. Chapitre 88. L'amour sincère implique l'unicité. Subhanallah, rien que le titre. Je pourrais faire humblement euh, des heures là-dessus. L'amour implique l'amour sincère implique l'unicité. Subhanallah, c'est ce qu'on a toujours répété. Ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Ça les bassine quand on parle de tawhid. encore, on va parler de théories, mais oui. Mais oui. Mais l'amour sincère implique l'unicité. Et tu verras pourtant ceux qui ne sont pas des gens de l'unicité, des, des chrétiens notamment, ou bien des Sophies, et autres égarés, que ce soit, des gens qui clairement ne sont pas sur l'unicité. D'une quelconque manière, ils sont dans le shirk. Ils commettent le shirk au Billah ce qu'il y a de pire. Ils ne sont pas les partisans de l'unicité. Tu les verras prétendre à un amour sincère vis-à-vis, -vis, comme ils disent tantôt, de Dieu, ou d'Allah, ou de Rabbi, peu importe. Comment il mentionne Il se vante d'un amour sincère vis-à-vis d'Allah, alors que l'amour sincère, comme le titre l'indique, implique inévitablement l'unicité. Tu n'aimes pas Allah si tu ne l'unifies pas. Tu n'aimes pas Allah si tu n'es pas sûr. Certaines personnes ne mentionnent que les autres témoignages d'amour a, ils vont dire tu n'aimes pas là, si tu pries pas, c'est une vérité, c'est une vérité. Si tu ne fais pas ta salat, tu pries pas tous les jours, tu n'aimes pas Allah. Donc, ils diront que tu ne pries, si tu n'aimes pas là, tu n'as pas le coran, que tu n'aimes pas là, tu vas pas à la mosquée, que tu n'aimes pas là, si 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 ça, si tu ne mentionnes pas, tout ceci est vrai, on pourrait dire. Mais rares sont les gens qui disent si tu prétends vraiment aimer Allah, alors adore le seul et sans associer. C'est toujours ce sujet parce que ce sujet divise. Pas divise dans le négatif, mais divise entre les gens du vrai et les gens du faux, entre les gens du haqq et les gens du bohat, entre les gens du et justement entre les gens du shirk et du kufr. Et les égarés ne veulent pas de ça. C'est-à-dire que pour eux, l'amour sincère, euh, ça va être dans les, dans, les, dans les actions, dans les propos, mais pas dans ta croyance. En ta croyance, tu peux associer Allah, peu importe. Renier Allah sur des choses, peu importe. Mal interpréter ses attributs, peu importe, peu importe. Comment on pourrait dire alors que tu l'aimes sincèrement Un sunni bondit et dit, comment tu prétends l'aimer sincèrement alors que tu fais ce qu'il y a de pire parmi les péchés Pire Pire que meurtre, la zina, le vol, le mensonge, l'alcool, la drogue. Pire Pire Et tu prétends l'aimer. L'amour sincère implique, euh, inévitablement, l'unicité. Donc quand vous voyez des gens qui prétendent aimer Allah mais qui sont pas sur la théorie, c'est des menteurs. Ils aiment pas Allah. Ils aiment leur passion en réalité. Hmm où ils aiment qu'on croit qu'ils aiment Allah aussi. L'ostentation. Beaucoup font ça. En général, personne n'est préservé. Les partisans de l'unicité sont moins dans l'ostentation. Puisque justement, ils visent Allah. Et l'ostentation contredit clairement l'unicité. Parce que c'est du shirk. Qui peut être asrar ou akbar. Mais c'est un shirk. Dans tous les cas, même sa forme, forme la plus, la plus, la plus, la plus petite, hein, la, la moindre forme, reste du shirk tout de même. Donc ça s'oppose à l'unicité. Donc en général, les partisans d'unicité euh, n'aiment pas Allah pour se faire voir des gens. Ils l'aiment sincèrement. Quoi qu'il en soit, l'amour sincère implique, je répète, inévitablement l'unicité, vous savez. Ayant pris connaissance de cette introduction, il est impossible que soit réuni dans le cœur l'amour de l'être aimé suprême, Allah, et la passion pour les belles apparences, ou pour le sexe identique. Mais ce sont deux opposés qui ne peuvent être rassemblés, et plus encore il est nécessaire que l'un expulse l'autre. C'est-à-dire, le chéri si vraiment tu as l'unicité dans ton cœur et que c'est l'être suprême, Azaogel, que tu aimes, ta passion, tes passions s'éteindront. Ou alors elles prendront le dessus, c'est que ton théoride est défaillant. Celui dont la force de l'amour est vouée totalement à l'être suprême, aimé, en dehors duquel l'amour de toute autre chose n'est que fausseté et châtiment pour qu'il l'éprouve, cela le détendra alors de l'amour de tout autre que lui. Et s'il aime autre chose, c'est uniquement pour lui, en lui, comme une amitié. Fille là, je t'aime en Allah. Ou parce que cela est un moyen de parvenir à son amour, ou que cela le coupe de ce qui s'oppose à son amour et le diminue. Donc, si tu aimes une chose de ce bas monde, normalement, on doit être comme ça. On en est loin, effectivement. Normalement, si tu aimes une chose de ce bas monde ou une personne dans ce bas monde, c'est juste pour te rapprocher d'Allah. Sinon, c'est vous à la ruine en fait. C'est un amour qui va te détruire. L'amour sincère implique donc l'unicité de l'être aimé. D'accord C'est-à-dire que aimer Allah dans l'unicité, il est là, l'amour sincère, l'ikhlas dans l'amour. Le fait qu'on ne lui associe rien, dans tout, je précise, mais le shir précise dans son amour. Ce qui peut y avoir un amour qui Certains ont aimé leur femme comme ils aiment Allah, voire plus même. Eh oui, ils l'avoueront jamais, ça. Mais au vu de leur comportement, de leurs propos, de ce qui s'est passé, etc., on voit que. C'est la femme qui a prédominé. Certaines femmes aussi vis-à-vis -vis de leur homme. Certains favorisent leur passion au-dessus d'Allah, dans divers domaines que ce soit. Et là, alors, à on nous préserve de cela, on se rend compte que ils ont associé à Allah dans l'amour. Si l'être aimé est une créature, dit le shir, elle méprise, jalouse et réprouve qu'on associe à un autre l'amour qu'on lui porte. C'est logique. Et les femmes en tête. Elle leur demander si ça fait plaisir si un homme, déjà, dans le lycée, prend quatre femmes. Non, parce que tu vas en aimer une autre que moi. D'accord Un être aimé réprouve, jalouse, qu'on associe un autre à l'amour qu'on lui porte. Une femme veut être aimée seule. À part celle, à qui elle en fait miséricorde, qui accepte, plus ou moins, ils ont tout un F, hein, mais accepte la polygamie. Mais globalement, en général... En amour, on n'aime pas partager. Que dire d'Allah Tu prétends l'aimer, d'accord Tu veux qu'il accepte ton amour, d'accord Mais tu aimes autre que lui, comme lui ou plus que lui. Comment accepterait-il ton amour, subhanahu wa ta'ala, à méditer Donc, une créature méprise, jalouse et réprouve qu'on associe à un autre l'amour qu'on lui porte. Et cela ne permet pas d'obtenir sa proximité. Et elle considère mensongère cette prétention d'amour. On la trompe, ne serait-ce qu'en amour. Alors qu'elle ne mérite pas qu'on lui voue la force de l'amour en réalité. Même une femme ne mérite pas qu'on lui voue tout notre amour. Tu des femmes qui sont jalouses et possessives, parce... femmes possessives. Si le père va trop aimer les enfants, ou sa mère, des fois tu as des femmes, elles sont jalouses. Ouais, t'aimes ta mère Ben oui, excuse-moi, oui. désolé. Tu sais, t'as les femmes, elles sont, Après, elles sont toxiques hein, ces femmes-là. Oui, tu préfères tes enfants à moi, ou tu préfères ta mère à moi. Euh... Bah, mes enfants j'en divorce pas de ma mère non plus toi oui Et puis visiblement vu comment tu me casses la tête ça va pas tarder. » non ça va je rigole <laughs> je rigole non mais les femmes elles sont très très possessives c'est elle 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 même elles faut qu'elles se remette en question en fait attention mes sœurs à ne pas chercher à faire, à égarer Shaitan vous manipule on sait que hein, vous êtes aussi les flèches de Shaitan mes sœurs via le sexe mais via aussi ce genre de comportement via l'amour attention l'amour a rendu fou des hommes il n'y a pas que le sexe qui a rendu fou des hommes hein. T'as des hommes euh, qui sont troublés par les femmes via le sexe. C'est la majeure partie des hommes, bien sûr. Mais il y a des hommes qui sont aussi troublés par les femmes par rapport à l'amour. Ça les a poussés, cet amour, à faire des dingueries, des conneries sans nom. Même à associer à Allah. À renier leur famille. Enfin, c'est n'importe quoi. <laughs> c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que madame voulait, c'est ce que madame exigeait. Donc attention, mes soeurs, à ne pas venir du tawahit aussi. Vous. Redescendez, toute proportion gardée. Ils peuvent vous aimer, mais mollo. Faut doser. N'est-ce pas, comme on dit Hein Il y a vous, mais il y a autre aussi que vous. Et même normalement, un homme pourrait éventuellement, oui, aimer quatre femmes. Et ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Ça, cette notion même d'amour partagé par rapport à la femme, parce qu'elle n'est qu'une créature, n'est pas encore acceptée dans les mœurs de nos sœurs. Je n'ai pas dit que c'est facile à pratiquer. Je n'ai pas dit, je ne vous ai pas enjoint dans cette société à faire ci, à faire ça. Vous lancer dans cette entreprise, c'est périlleux. Il faut vraiment être prêt, avoir l'air solide, avoir la foi, avoir les finances, être organisé, que tout se passe bien. C'est dur, oligamie. C'est très dur. C'est pas pour les enfants. Que ce les enfants, les hommes, les gamins ou les gamines, les femmes. Les gamines, il faut, faut être accroché, d'accord C'est pas une mince affaire. Pour autant, même ce serait bien pratiqué, peu de femmes arrivent à accepter ça. C'est quelque part parce qu'elles veulent l'amour d'une créature que pour elles. Et c'est pour ça que la polygamie est une bonne école aussi pour les femmes. Connaissant leur nefs aussi, Allah leur a imposé cette épreuve pour elles. Parce a connaît leur nefs les femmes ont du mal avec ça. Mais ça aidera la femme, même jalouse, à se rapprocher d'Allah et se détacher d'une créature. Non, Marie, moi, moi, il doit aimer que moi, que moi, que moi. Non Un homme peut aimer plusieurs femmes dans sa nature. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, que, que vous le vouliez ou non. Que vous l'acceptiez ou non, même que monsieur pratique la polygamie ou non. Hein vous ne pouvez pas monopoliser un cœur. Et monopoliser un cœur, c'est même malsain dans un cas dans un comme ça. D'accord Ça. Pas ah bon, avec l'amour, avec une épouse. Que dire maintenant comme ça déborde sur les enfants et la mère et le père et Tu préfères tes parents à moi. C est, c est, quelle, quelle remarque, ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça Il y a des femmes comme ça. Attention, mes sœurs. Attention à exiger un amour euh, euh, inconditionnel. C'est malsain. Je vous dis la vérité, c'est hyper, hyper malsain. Et me concernant, hein, ça m'arrive. Moi, ça me rebute, ça me dégoûte, en fait. Ça fait que je vais encore moins, 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 moins aimer la femme. Elle a tout perdu, en fait. Si elle avait dix d'amour, elle a plus que cinq. Parce que justement, elle veut monopoliser tout mon amour pour elle. Alors qu'une femme qui dirait, mais aime qui tu veux en fait. Tu m'aimes une partie, oui d'accord, mais tu peux aimer euh, <coughs> d'autres créatures. Mais une femme qui dirait, tu peux aimer d'autres femmes. Bah instinctivement, je parle pour moi, mon cœur va se rapprocher de cette femme-là et je vais plus l'aimer. Voilà. Il y a tout à y gagner, à comprendre ce que j'ai expliqué. Et aussi, des femmes peuvent tout perdre, à s'entêter dans leur bêtise au final. Quoi qu'il en soit. Si l'être aimé est une créature, elle est prise jalouse, on l'a dit. Elle considère comme mensongère sa pr prétention d'amour parce qu'elle n'est pas aimée seule, sans associer. Alors qu'elle ne mérite pas qu'on lui voue la force de l'amour. Non, elle mérite une part d'amour, sans plus. Mais maintenant, que dire de l'être aimé suprême, auquel l'amour convient seul, à qui on doit vouer l'amour seul, alors que l'amour pour tout autre n'est que châtiment et nocivité Que dire Hein Qu'Allah tolère qu'on l'aime, mais qu'on aime autre que lui, comme on l'aime lui Non il ne peut le tolérer. Il mérite l'amour inconditionnel. C'est la raison pour laquelle Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'amour, et qu'il pardonne en deçà de cela à qui il veut. C'est-à-dire, là, ne pardonne pas le shirk en deçà de cela, en deçà de cela, pardon, je dire. en deçà de cela, il pardonne à qui il veut, comme on le sait déjà. L'amour des belles apparences fait perdre au serviteur l'amour de ce qui lui est plus utile. L'amour des belles apparences dans tout, hein, tout ce qui brille dans cette dunya, toute la zina, toute la parure. Et plus encore l'amour des belles apparences fait perdre l'amour de ce qui ne comporte ni rectitude ni bienfait ni vie profitable si ce n'est par son amour seul subhanahu wa l'homme doit donc choisir un des deux amours l'amour d'allah ou l'amour de la dunya en clair car ils ne peuvent ni se rassembler ni disparaître euh, tous deux du cœur il y aura forcément un amour c'est-à-dire tu peux avoir zéro amour dans ton cœur et tu peux pas rassembler les deux amours. Soit tu aimes Allah et sa religion, soit tu aimes la dunya. Mais tu ne peux pas rien aimer. Tu aimeras soit la dunya, soit Allah plus que tout. Soit tes passions, soit le Din plus que tout. Celui qui se détourne donc de l'amour d'Allah, de sa mention et du désir pour sa rencontre, Allah l'éprouve par l'amour pour d'autres. C'est pour ça que l'amour passionnel, quand on regarde bien, en sont atteints souvent. Hein. Les ignorants, les pervers, ceux qui n'ont une forte relation avec Allah. Lorsqu'on est dans ce type d'amour, on est dans un amour chier Est-ce que ça vous plaise ou non. Les gens, ils ont, dorment pas de la nuit, alors ils mangent pas, ils perdent du poids, ils sont malades. C'est lui, c'est elle, c'est tout, c'est machin. C'est un culte que tu vois à ce moment-là. Ceux qui écrivent des chansons, récemment, fait une. Petit aparté en parlant du, du rappeur Attic et, et toutes ces chansons de dépressif total. Qui, qui, son album doit être fourni avec une corde, c'est pas possible. Ou avec, avec des, des, comment on appelle ça, des, des barbituriques. <laughs> il faut faire un pack. C'est pas un sweatshirt qui doit offrir avec le CD, c'est des barbituriques, une corde et un flingue. Je rigole, mais c'est vrai. Parce que lui, justement, il s'est noyé dans l'amour cherché. C'est-à-dire que l'amour qu'il prétend avoir pour Allah ne le comble pas. Il est vidé, il est, ru... il est ruiné, il court à sa perte. Et quand je lui ai dit ça, c'est pas parce que je veux l'humilier, l'écraser encore une fois, je répète, ça fait mal de voir un homme comme ça. Un homme, tu, tu tu crois il est musulman, il est musulman, tu dis où est sa foi dans ces moments-là Se noyer dans les larmes de trucs de vouloir mourir pour une créature, mais quel Mais c'est pitoyable. C'est pathétique. Aucun croyant, aucune croyante ne doit réagir comme ça parfois enfin, oui, ça pique, ça peut faire mal un peu, mais de là à se ruiner l'esprit et le cœur comme ça, c'est vous dire vraiment, la, 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 la phrase là le, correspond à, à ce type de cas. C'est vraiment se noyer pour le coup dans, dans l'amour shirki, vraiment se mettre dans, dans, dans tous nos états, et, et c'est une épreuve, un châtiment même dans d'Allah, d'accord Parce qu'il s'est détourné de l'amour d'Allah, de sa mention, du désir pour sa rencontre. Alors là l'a éprouvé, l'individu, lui ou un autre, par l'amour pour d'autres. Et il le châtie par cela en cette vie. Dans la tombe et dans l'au-delà aussi. Dans cette vie, c'est par le malheur, justement. Par le fait d'être dépressif, le, le fait de ne plus, de plus rien ressentir de bien dans, 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 dans cette vie, le fait d'être vide, d'être aigri, de tout le temps pleurer, je suis vide et je suis truc et machin, et c'est terrible. Même, je veux m'ôter la vie, je veux me suicider parce que tu m'aimes pas, comme moi je t'aime, ou ça s'est mal passé, etc. Alors cette chose-là, c'est un châtiment. On le sache c'est un châtiment donc imaginez déjà la dureté qu'ont les, 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 les amoureux incompris les amoureux blessés je ris hein, parce que parce que je ris déjà je ris de moi parce que j'y suis tombé hein, comme beaucoup de gens voilà bon pas à l'excès mais j'y suis tombé aussi euh, ça m'a fait énormément de mal dans ma vie et je me suis dit mais plus jamais je vais retomber là-dedans en fait je, je suis guéri de ça revenir à mon audio qui avait été écouté par pas mal de de frères <laughs> dont un, le frère Elias, il se reconnaîtra s'il écoute qui m'avait félicité. L'amour passionnel est un poison satanique, mais c'est une drogue, c'est terrible, mais jamais l'amour passionnel, il y allait pas l'amour, mon fils un amour raisonné, un amour <laughs> mais l'amour toi 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 ah, arrête C'est gênant. Arrêtez avec ça. L'amour après, euh, je ne dis plus sans toi, je ne respire plus. Euh, arrêtez Oh là 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 Oh Ah quel horreur Affreux, affreux. <laughs> et pour autant, bah beaucoup y tombent. Après, il y a des films pour nous encourager à cela. Il y a des musiques pour nous encourager à cela. Voilà. C'est pas, pas innocent. Hein. Quand vous écoutez des chansons d'amour, c'est Chetan qui, qui mixe. Hein. C'est Chetan, le DJ, qui dit écoute ça, écoute ça, voilà, et, et, euh, et aime autre qu'Allah. Hein Plus encore même que tu aimes Allah. Tu te suiciderais pas pour Allah. Tu pleurerais peut-être même pas pour Allah. Par contre, tu pleures pour une. Euh, pour une fille que tu connais dans le haram et qui t'a fait la zina et tu pleures pour elle. Subhanallah. Tu pleures. Tu pleures pas pour ton péché parce que t'es triste de ton péché. Tu pleures parce que t'arrives pas à perdurer dans ton péché. Mais il y en a, c'est ça. Ils font zina avec une fille, ça se passe mal, ils pleurent. Tu pleures pour une. là, tu pleures pour une fille dans zina. Mais on te mentionne le Coran, ça te fait pas pleurer. Tu pleures pas pour Allah, mais tu pleures pour une fille. Ou toi, ma soeur, tu pleures pour un homme. Faut se remettre en question à un moment donné. Faut se remettre en question, hein. Donc, ça, c'est déjà le châtiment. On voit les gens comment ils sont en PLS, les amoureux incompris, les, les amoureux blessés, comment ils sont déjà en PLS ici-bas. Imagine dans la tombe et dans l'au-delà, par rapport justement à ce chirque dans l'amour. L'amour est permis, mais avec parcimonie, avec raison. L'amour doit jamais être passionnel. Il peut y avoir une part de passion entre deux êtres, entre, dans un couple, mais c'est dans le sens noble quand je dis passion ici. C'est un peu de piment, un peu voilà, de, 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 de force, d'intensité. Il n'y a pas de mal. Mais mollo, d'accord c'est pas l'amour passionnel tel, tel que je peux le le décrire tel que je le vis c'est à dire l'amour qui qui te pousse au suicide quand c'est fini n'importe quoi n'importe quoi sans toi je suis rien ah bah, sois rien que je te dis c'est comme le même qui avait circulé sans toi je meurs bah meurs que veux tu que je te dise mais on est peut-être toutes et tous tombés là dedans c'est le piège ce qu'il faut c'est pas euh, S'enliser dans cela, il y en a, il reste, il reste, il reste, il reste, toujours pas compris. Arrête, arrête de te faire du mal comme ça. Tu vaux mieux que ça, relève la tête, prends un Donc, celui, dans ce type d'amour ici-bas, Allah le châtie. il le châtie par l'amour. L'amour de quoi L'amour des idoles aussi. L'amour des croix, l'amour des éphèbes, donc des jeunes, des jeunes garçons. L'amour du feu, l'amour des femmes, l'amour des biens, l'amour des poètes, l'amour des amis, l'amour de ce qui est moindre encore. Et se ce, ce situe au sommet de la bassesse et du mépris. L'amour de choses viles, mondaines, l'amour du péché même. L'homme est le serviteur de ce qu'il aime, quelle que soit cette chose. Je répète, l'homme est le serviteur de ce qu'il aime, quelle que soit cette chose. Tu es le serviteur d'Allah si tu aimes Allah plus que tout. Maintenant, si toi, c'est les femmes que tu aimes plus que tout, tu seras le serviteur des femmes. Abdel Nisa, au final, c'est réel. Hein Et si c'est autre chose que tu aimes, et si c'est ci, et si c'est ça tu seras esclave comme il y en a, ils sont dans l'amour des biens, l'amour de l'argent, la quicheta, le bif, le truc, le machin, je veux que ça. Ben, c'est des... c'est des... c'est des Abdel Dinar en vérité. Abdel Diharm, ce que vous voulez, c'est des serviteurs de l'argent. Parce qu'ils aiment l'argent au-dessus de tout. Donc on est le serviteur de ce qu'on aime plus que tout. Quelle que soit cette chose, comme il a été dit, tu es la victime de tout ce que tu aimes. Choisis donc pour passion ou pour amour celui que tu auras élu. Donc, choisis Allah, Dieu unique, seul et sans associé. Celui dont le Dieu n'est pas son roi et son maître, son Dieu sera ses passions. Donc, celui qui n'a pas pour Dieu Allah, automatiquement, il aura une autre divinité en son cœur. Ce sera ses passions. Comme Allah le dit dans Surat al au verset 23, Vois-tu celui qui prend ses passions pour divinité Allah, ici, il dit. Il prend quoi, celui-là Ses passions, il suit ses passions, et il les prend pour divinités. Il les a adorées. Et Allah les garde sciemment, celle son ouïe et son cœur, et étant un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah, ne vous rappelez-vous donc. Voilà, clairement, pour ce chapitre, l'amour sincère implique l'unicité. Masha'Allah. Allah nous raffermisse dans les théories pur. Chapitre 89, l'adoration et l'amour, c'est lié. La servitude se caractérise elle par l'amour empreint de suggestion et l'humiliation pour l'être aimé. Ainsi, celui qui aime une chose ou se soumet à elle, son cœur l'aura alors adoré. Se soumet, c'est-à-dire, en... pas se soumet. Par exemple, j'aime ma mère, elle me demande de lui faire quelque chose dans un service, je me soumets à son ordre. Non, la Là, c'est même une soumission à Allah parce que c'est une adoration. La bien l'obéissance aux parents. Quand on dit ici, celui qui aime une chose se soumet à elle, son cœur l'aura alors adoré. C'est dans la désobéissance à Allah. Ok puis encore, la servitude est le dernier degré de l'amour, qu'on nomme également l'amour servile, ce qu'on appelle Atatayoum. At à ne pas confondre avec sa les sèche. sèches. Hein At là, ici. C'est l'amour servile. C'est la servitude dans l'amour. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans la communauté qui sont atteints du ça me paraît clair. qu'avoir qu'à voir un euh, nombre de, 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 de dépressifs, de larmes, de ci, de ça, de trucs. Terrible, terrible. Le premier degré de l'amour, c'est le lien. Elle a' alaqa, elle a alaqa, nommée ainsi en raison de l'attachement, comme l'adhérence. Elle alaqa. Là on dit, elle alaqa, mais on sait qu'il y a, elle c'est l'adhérence, l'attachement. Donc ici, elle a alaqa, l'attachement entre le cœur de celui qui aime et celui de l'être aimé. Il y a un lien. Le poète a dit. « Je me suis attaché à Leïla qui possède des charmes, une femme, alors que rien de ses seins n'est apparu à mes semblables. » Poésie érotique, disons. « Je me suis attaché à Leïla qui possède des charmes, comme beaucoup de femmes, alors que rien de ses seins n'est apparu à mes semblables. » Et un autre a dit... C'est-à-dire, elle a des charmes et on n'a même pas tout vu, quoi. Alors, que dire Et un autre dit... Oh, um t'es-tu attaché alors que sur ta tête, des cheveux blancs comme la neige ont fait leur apparition C'est-à-dire, tu t'attaches, t'es vieux là comme ça et tu t'attaches encore. Jeune encore, on comprend, c'est la fougue. Mais il y en a jusqu'au bout, ils sont dans la passion vieillot comme ça, là, subhanallah. Hein T'as des cheveux blancs et tu es euh, encore attaché, quoi, encore dans, dans cet amour servile. Donc, ça, c'est le lien. Alors, Ensuite, il vient le penchant, le fait de pencher. Ce qu'on appelle Sambaba. baba C'est nommé ainsi en raison de l'épanchement du cœur vers l'être aimé. D'accord Ainsi, le poète a dit Ceux qui aiment se plaignent du penchant, de pencher vers. Si seulement je supportais seul ce qu'ils vivent, mon cœur obtiendrait toute la jouissance de l'amour. Ainsi, aucun amoureux ne l'aurait éprouvé ni avant ni après moi. Le penchant, donc. Hein on peut avoir, un, comme on a un penchant vers nos passions, quand on aime une chose, un péché ou quoi, une addiction. On a un penchant pour, penchant vers. Ensuite, au-delà du lien et du penchant, via l'attachement, ce qu'on appelle Roram. Roram, ça consiste à ce que l'amour perdure dans le cœur sans jamais s'en détacher. Ça dure, ça dure et ça dure. Les amours qui restent toute une vie, par exemple. C'est pour cette raison qu'on a nommé le créancier Rorim, car il ne quitte pas son débiteur. Hein, ils sont liés. Du coup, ils sont, ils sont liés, ils sont attachés même. Parce qu'on a vu que le lien, c'est plutôt al-araqa. la langue arabe, c'est vraiment euh, beaucoup de noms euh, pour des de, 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 le lien, le penchant, l'attachement, on aurait pu dire ouais, c'est la même chose. Non, en arabe, il y a trois termes al-araqa, sababah et haram. Donc ça c'est l'attachement, l'amour qui dure, l'amour qui perdure. Comme l'Arabie elle dit dans Sourate Al-Furqan verset 65, son attachement est constant. Les contemporains se sont entichés pour l'utilisation de ce terme concernant l'amour, alors qu'on le trouve peu dans les poèmes des arabes, au final. Savoir, raram. Vient ensuite, l'amour fou. D'ailleurs, au sujet de l'amour, je vous conseille, je vous déconseille à la fois, parce que ce livre contient énormément de définitions qui peuvent notamment être citées ici, euh, d'explications et tout, mais aussi des choses complètement folles. Je, je mets le livre, le, 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 le colis de la colombe, comme ça il est traduit en français. Il a un autre nom en arabe, j'ai oublié ici maintenant mais euh, euh, ouais, le colis de la colombe je crois quelque chose comme ça le livre de Ibn Hazm au sujet de l'amour voilà bref feuilleté et tout parfois ça part en cacahuète totale hein. il y évoque les penchants les trucs machin et ça peut ça peut vraiment euh, pousser une personne voilà à être confortée dans, dans sa passion parce que c'est beau, c'est poétique, c'est romantique, c'est machin. Moi, ce livre-là, je le conseille et je le déconseille à la fois. Voilà. Oui, je me permets de faire presque une mise en garde contre un livre euh, d'Ibn Hazm. Oui, effectivement, il contient parfois des passages troublants, même pas à la limite, c'est du chirc parfois même. Subhanallah. Parce que ça devait être un grand, grand, grand passionné de l'amour, Ibn Hazm, machin, hein, un, un andalou. Hein. <laughs> On connaît les andalous, mais euh... ou pas d'ailleurs, mais voilà. Mais à un moment donné, euh... ce livre-là ne comporte pas que du bien. Voilà, moi, je le dis, hein. ce que j'en pense, franchement, il comporte pas que du bien. Il est troublant, parfois. Quoi qu'il en soit, donc il y a aussi l'amour fou, ce qu'on appelle el l'ishq, qui est cité, d'ailleurs, dans le livre d'Ibn Hazm, j'avais vu, qui désigne l'excès dans l'amour. C'est pourquoi on ne peut décrire ainsi le Seigneur et on ne peut l'utiliser à son sujet. Il n'y a pas d'excès dans l'amour d'Allah. Même si tu aimes très, 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 très fort Allah, ce ne sera jamais de l'excès. D'accord Mais l'amour fou, c'est ce qui pousse des gens, justement, ben voilà... Suicide ou tentative de suicide, et dépression, et machin, souffle péter des crises de colère, des l'hystérie totale. C'est l'amour fou, quoi, en fait. C'est vraiment, je dors plus, je mange plus, je... Atroce. Ensuite, il y a le désir. C'est une forme d'amour, le désir. C'est le désir, simplement, ce qu'on appelle... Qui désigne le plus convoité des voyages du cœur vers l'être aimé. Alors, c'est vrai qu'il y a le lien, l'attachement, l'amour fou, c'est des particularités, mais le désir... C'est quelque chose qui, qui, qui transcende un peu tout le reste. C'est vraiment euh, le plus convoité des voyages du cœur vers l'être aimé, parce que c'est très intense, désirer euh, quelqu'un. Plus, plus intense encore que ce qui a, ce qui a été cité euh, précédemment. Le terme a été utilisé concernant le Seigneur, notamment, le désir de le rencontrer. C'est pour ça que ça doit nous animer plus que tout, le désir de, de, de rencontrer Allah ou de connaître Allah. Hein, c'est pour ça que si c'est le, le plus fort, mentionné comme étant le plus fort. Ce terme donc a été utilisé, concernant le Seigneur, dans le hadith de Ammar, qui a accompli une prière courte. On l'interrogea à ce sujet, il a dit, j'y ai prononcé les invocations que le prophète prononçait, oh « O par ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures, laisse-moi en vie tant que tu sais que la vie est meilleure pour moi que la mort, et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi que la vie. O oh permets-moi de te craindre en secret et en public, et de ne parler qu'en toute vérité dans les moments de satisfaction mais aussi de colère. » je te demande la modération dans la richesse et la pauvreté je te demande des bienfaits inépuisables je te demande la réjouissance continue permets-moi de me satisfaire de ton décret je te demande une vie paisible après la mort accorde-moi le plaisir de contempler ton visage et le désir ardent ah voilà, qui nous intéresse le désir ardent donc désir et ardent souligné un fort désir donc de te rencontrer sans subir aucun dommage qui me nuise ni tentation qui m'en égare Oh « O Allah, embellis-nous par la foi et fait de nous des guides bien guidés. » Donc là, une notion de désir. Et dans un autre récit, il est dit « le désir des pieux de me rencontrer ». Donc c'est Allah hein, qui, qui parle ici. Et c'est un, un récit qui est rapporté dans Al-Hilya. Al-Hafiz iraqi aussi nous dit lui que ces propos n'ont aucun fondement. Ces propos n'ont aucun fondement. Quoi qu'il en soit, on lit quand même cette phrase. Le désir des pieux de me rencontrer, dirait Allah, se prolonge. Et mon désir de les rencontrer est plus grand encore. N'a aucun fondement peut-être, mais il y a du sens parce qu'on sait que quand on fait un pas vers Allah, il en fait dix vers nous. Lorsque, voilà, on, on donne un peu pour Allah dans le sentier d'Allah, il nous rend fois dix fois mille. C'est même pas quantifiable. Donc effectivement, ça se tient de dire que. Le désir des pieux de rencontrer Allah peut être fort et peut se prolonger, mais le désir d'Allah de les rencontrer est plus grand encore. Allah aime ses créatures, surtout croyantes. C'est également la signification visée par le prophète, Sallallahu dans sa parole, celui qui aime la rencontre d'Allah, alors Allah aime sa rencontre. Celui qui aime le dîn d'Allah, Allah lui facilitera la compréhension du dîn. Il aimera lui enseigner, il aimera déverser le fer sur lui, le faire sur la compréhension religieuse, logique. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Celui qui aime mentionner Allah, Allah le mentionne dans les hautes sphères. Logique. Un homme doué de clairvoyance a dit à propos de la parole d'Allah, ce sujet, pour, qui, pour celui pardon, qui espère la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah arrive. C'est-à-dire, bonne annonce. Tu t'inquiète pas, tu aimes l'idée de rencontrer Allah, ça va arriver. Walhamdoulilah. Surat Al-Ankabut au verset 5. Lorsqu'Allah connu le désir intense de ses alliés pour sa rencontre et le fait que leur cœur... Alors, j'aime pas la phrase lorsqu'Allah connut. Oui, oh, il est chiant, lui, pourquoi il décortique comme ça Lorsque, si euh, ma compréhension de langue française est bonne, encore une fois, lorsque signifie que ça intervient à un moment. J'étais sur la route lorsqu'une voiture euh, me coupa la route, justement. D'accord J'étais dehors en train de me balader lorsque la pluie Vint à tomber et me mouilla. Lorsque, c'est-à-dire que c'est à un moment donné. Donc lorsqu'Allah a connu le désir intense, ça signifierait qu'à un moment donné Allah l'a pas connu le désir intense. Alors qu'Allah a toujours connu le désir intense de ses alliés. Donc lorsque, je sais pas si c'est une bonne traduction, mais c'est peut-être moi qui chipote. Moi c'est juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Lorsqu'Allah a connu le désir intense, plutôt Allah connaît le désir intense de ses alliés pour sa rencontre. Moi je vais me contenter de cette phrase-là. Elle est bien meilleure. Et donc il connaît aussi le fait que leur cœur ne pouvaient être bien guidés sans sa rencontre. Il leur fixa alors un terme et un rendez-vous pour sa rencontre afin que leur âme s'apaise. La vie la plus agréable et la plus savoureuse est celle de ceux qui aiment, désirent et cherchent la proximité d'Allah. Fit dunya, hein, que dire del Ce sera proportionnel de toute façon. Au plus tu aimes Allah dans cette dunya, au plus tu seras rapproché de lui, de ton bien-aimé dans l'au-delà. Donc la plus savoureuse en tout cas de, de cette vie ici-bas. Euh, C'est celle de ceux qui aiment Allah, désirent rencontrer Allah et cherchent la proximité d'Allah. Les autres vivent dans les ténèbres et dans la tourmente, on le sait. Leur vie à eux, les biens chanceux, les biens guidés, est en réalité la bonne vie. Il n'y a pour le cœur de vie plus agréable, savoureuse et douce que celle-ci. C'est là la bonne vie mentionnée dans sa parole. C'est là la bonne vie mentionnée dans sa parole. Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui vivre, nous lui ferons vivre pardon, une bonne vie. Surat la nahr verset 97. Celui qui, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, c'est-à-dire quoi il, On voit la, la notion ici de dire en étant croyant, c'est-à-dire en étant sur le théoride, en unifiant Allah, sans rien lui associer. C'est ça être croyant. C'est pas juste dire je crois en Allah, il existe. Non, on a vu ça dans à chaque fois les cours de théoride. Rububiya ne suffit pas. Quiconque donc fait une œuvre pieuse, oui, mais ça suffit pas de faire une œuvre pieuse. Tout en étant croyant, c'est-à-dire tout en unifiant Allah, sous-entendu Yani, celui-là, on lui fera vivre une bonne vie. Donc ici, on coupe euh, l'œuvre pieuse à la, à la, à la, à la satisfaction dans, dans cette vie. Tu veux être à l'aise dans ta vie, tu veux te sentir bien, tu veux du rire, tu veux des ni'am, fais une œuvre pieuse sans rien associer à Allah. Celui qui agit en bien, j'en ai parlé avec une personne aujourd'hui d'ailleurs, que le rire c'est un cercle vertueux même que le péché est un cercle vicieux et eh bien ici le rire est un cercle vertueux fais du bien ça te reviendra fais du bien en étant croyant place ton attention pour Allah alhamdoulillah Allah il te le dit Surat Nah, verset 97 dans le sens nous lui ferons vivre une bonne vie tu veux une bonne vie déjà ici fais du rire et vise la satisfaction d'Allah tu ne tarderas pas à à le ressentir dans ta vie Shir al-Islam al dit le sens visé ici n'est pas la vie partagée entre les croyants et les mécréants, les pieux et dépravés, comme bonne nourriture, vêtements, boissons et mariages. Il est même possible que les ennemis d'Allah en disposent beaucoup plus encore que ses alliés. Non, on parle d'une bonne vie, c'est-à-dire un apaisement du cœur. Bonne vie, voilà, c'est pas... Euh, euh, c'est pas... Euh, avoir de l'argent, avoir... Euh, voilà, bonne nourriture, des beaux vêtements, hein une belle femme. Les ennemis d'Allah en ont une grande part. Hein il dit, il est même possible, c'est souvent le cas, que les ennemis d'Allah en disposent beaucoup plus encore que ses alliés. Parce que ce n'est pas un allié de l'amour d'Allah. C'est une épreuve, un châtiment pour eux, contre eux. D'accord Donc ces choses-là, c'est de la poussière. Ça, c'est pas ça la bonne vie. La bonne vie, c'est se sentir bien dans son dîn. Avoir le cœur apaisé quant au décret d'Allah. Comme le dua qui a été mentionné par Amar ibn Yasir. D'accord la bonne vie, la belle part ici-bas, qui te dira quelle est la belle part ici-bas Non, ce pas les millions, c'est d'avoir de la science. <laughs> c'est ça la belle part ici-bas. Donc, vivre une bonne vie, bah, c'est déjà être guidé à l'islam, comprendre le théorie de la sunnah, aimer l'apprentissage de la science, aimer la propagation, faire du rire, c'est ça une bonne vie. Nous lui font vivre une bonne vie, ce n'est pas euh, euh, ce que cherchent la plupart des gens, malheureusement aujourd'hui, même dans la communauté. Pas demander à quelqu'un, allez, allez demander autour de vous. Non, mais je, sincèrement, là je vous dis pas ça dans le cadre du cours comme une expression. S'il vous plaît, faites-le et faites-moi un retour. Allez demander autour de vous. Amis, famille, selon toi, c'est quoi une bonne vie S'il vous plaît, faites-le. Bah, alors, je ne vous demande jamais rien. Donc, cette fois-ci, rendez-moi service. Chacun, chaque personne qui écoute le cours et qui a contact avec moi, redonnez-moi la réponse. Faites un petit test comme ça. Et toi, c'est quoi pour toi une bonne vie Attendez la réponse et puis ensuite, vous faites un condensé, vous me faites un rapport. Bah, ben, il m'a dit si ou elle m'a dit ça vous verrez que peu de gens vont dire ce que j'ai dit hein. la bonne vie c'est l'épanouissement dans c'est se sentir bien c'est alhamdulillah avoir une famille dans la piété euh, avoir fait un mariage dans les règles pour plaire à Allah avoir, voilà euh, la plupart des gens allez demander c'est quoi une bonne vie c'est le biff aujourd'hui on ah, c'est de l'argent j'ai plein d'argent et de l'argent et de l'argent c'est ça une bonne vie c'est pas une bonne vie ça fait rien du tout il y a plein, plein de gens qui ont plein d'argent ils sont pas heureux pour eux ils sont pas dans une bonne vie d'accord Ah, c'est de réussir la bonne vie souvent les gens vont dire c'est de réussir à l'école et au travail c'est ça une bonne vie Pas nécessairement. En fait, <laughs> c'est un dalil de Walou en ce qui concerne la bonne vie. Donc, ce qui est mentionné ici, c'est n'est pas ce que tous partagent, les pieux, les dépravés, les croyants, les kofars. Non, c'est pas toutes les choses mondaines. D'accord On a vu que même les amis d'Allah ont plus que les croyants. D'accord Plutôt Allah a assuré à toute personne qui accomplit une œuvre pieuse de lui faire vivre une bonne vie et il est véridique en sa promesse et n'y manque jamais et est-il une vie meilleure que celle de celui dont toutes les préoccupations se réunissent pour n'en former qu'une seule, qui est l'agrément d'Allah Ça confirme tout ce que je vous disais. Donc la bonne vie, c'est d'adorer Allah, c'est d'être croyant, c'est d'être musulman, c'est de faire du rire. C'est ça la bonne vie. Donc celui qui fait du bien, en fait c'est un cercle vertueux, même dans le verset on le voit, celui qui fait du bien, homme ou femme, en étant croyant, Allah lui fait vivre une bonne vie, c'est-à-dire qu'Allah lui facilitera le fait de rester croyant tout en faisant des œuvres pieuses. Cercle vertueux, ça ne fait que tourner. Tu fais une œuvre pieuse, t'es croyant. Ah, bah là, être récompense par le fait de quoi D'avoir une bonne vie. Mais c'est quoi la bonne vie C'est le fait d'être croyant et de faire une œuvre pieuse. Ah, mais du coup, ça, ça nécessite quoi Bah, le fait de toujours rester croyant et de toujours faire une œuvre pieuse. Et ton magazine la Hassanette. Et c'est ça, Banks, comme ils disent les jeunes. C'est ça, ce qui est Bankable. C'est de faire du rire comme ça. Toujours. 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 Sans s'arrêter. Alhamdulillah. De la même manière qu'on peut aussi s'enliser dans les péchés de l'autre côté. Et là, c'est la dégringolade. Son cœur, donc, ne bifurque que pas celui qui lui aime une bonne vie. Mais il se dirige toujours vers Allah, sa volonté et ses réflexions qui étaient dispersées, alors se rassemblent. Si bien que la mention de l'être aimé suprême, son amour, le désir de sa rencontre et de se rapprocher de lui le dominent plus que tout le reste. C'est autour, autour de cela que gravitent ses préoccupations, volontés et objectifs. Il pense, il se préoccupe, il agit que pour Allah, dans l'espoir de satisfaire Allah même les pensées de son cœur, imaginez, même les pensées de son cœur intime, dont personne n'a connaissance, dont Allah ne tiendra même pas rigueur si elles ne sont pas mises en application, à savoir par la langue ou par les mains, ou les pieds, ou ce que vous voulez, même les pensées les plus intimes, sur lesquelles, je rappelle, on n'a pas de compte à rendre, walhamdoulilah, heureusement, bah le pieu, bah celui qui, vraiment, donne une grande place à Allah dans sa vie, ces pensées-là vont vers Allah, sont pour Allah, lui-même s'il garde le silence c'est par allah s'il parle c'est par allah hmm et c'est par lui qu'il écoute regarde saisit marche bouge s'arrête vit meurt et qu'il sera ressuscité ainsi que le rapporte le prophète wa sallam, de son seigneur ta wa ta ala, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai imposé. C'est-à-dire, les actions obligatoires, comme la salat, 5 salawats par jour. Il n'y a pas mieux pour se rapprocher d'Allah que d'accomplir les actes obligatoires. D'accord Mon serviteur, ensuite, il dit, ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ensuite, viennent les actes surrogatoires. Et ça, ça, euh, pousse à ce qu'Allah t'aime. Allah dit, et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, le regard par lequel il voit, la main par lequel il saisit, le pied par lequel il marche. C'est par moi qu'il entend, regarde, saisit et marche. D'accord Sous-entendu. Donc, lui, il mène une bonne vie. Ce qui est apparu là, entre parenthèses, que ce que j'ai dit ici, euh, c'est par moi qu'il m'entend, regarde, saisit et marche, c'est le sous-entendu. Ce qui apparaît, entre parenthèses, n'est pas rapporté par El Boukhari. chez El a dit Je n'ai pas vu cet ajout chez El Boukhari, ni même chez un autre compilateur. D'accord ça a été plutôt un ajout, une mention d'Al-Hafif dans son commentaire du Hadith. Plutôt. D'après At-Tofi, mais sans l'attribuer à personne. Quoi qu'il en soit, le sens est juste. C'est <coughs> cela, c'est ça la compréhension. Ce que j'aurais pu vous dire. Hein, Allah dit, c'est par moi que celui qui m'aime, celui donc qui m'aime, on a dit c'est qui C'est celui qui fait les actions obligatoires et qui en plus fait les actions surrogatoires. Bah, Celui-là, Allah va l'aimer. Et donc, par Allah qu'il va entendre, regarder, saisir et marcher. Alhamdulillah. Et la fin du hadith, s'il me demande, je lui donne. S'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Ça aussi, c'est un signe des, des bien-aimés d'Allah. Rien qu'il de, qu demande, Allah il donne. Rien qu'il cherche refuge, Allah il les protège directement. Je n'ai pas hésité pour une chose que j'accomplis comme pour le fait de retirer. Allah il dit ça. Je n'ai pas hésité sur une chose que j'accomplis comme pour le fait de retirer l'âme de mon serviteur, donc lui donner la mort aux croyants. Car il déteste la mort et je déteste lui causer du tort, mais il doit mourir. Mais il doit mourir. Rapporté par El Boukhali ce hadith Qutzi. Il doit inévitablement mourir il n'y a pas le choix. Tout âme goûtera à la mort. Donc la promesse d'Allah est véridique, mais Allah répugne de faire mourir ses serviteurs croyants parce qu'il sait qu'il n'aime pas cela. Ce noble hadith est donc divin, ce qu'on appelle le hadith Qutzi, dont la compréhension du sens et de l'objectif est interdite à celui dont la nature est rude et le cœur opaque. Délimite les causes de son amour en deux choses. Premièrement, l'accomplissement de ce qu'il a imposé. Les actions obligatoires, comme les prières, comme verser la zakat, comme jeûner le mois de Ramadan. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour gagner l'amour d'Allah. Puis ensuite, le rapprochement hein, d'Allah euh, vis-à-vis de lui par les actions surérogatoires qui sont extrêmement nombreuses. Allah a mentionné que le fait d'accomplir ce qui est imposé est la chose par laquelle on se rapproche de lui, hein, qui lui est la plus aimée. Puis viennent les actions surrogatoires. Celui qui aime cela ne cesse d'accomplir de ces actions surrogatoires, jusqu'à être aimé d'Allah. Et lorsqu'il est aimé d'Allah, l'amour d'Allah pour lui suscite un nouvel amour, pour Allah supérieur au premier amour. Encore une fois, cercle vertueux. Ça ne fait qu'augmenter dans le rire. Cet amour détourne de son cœur... Ou plutôt.. Cet amour détourne son cœur. Très très fatigué, j'ai les yeux en fait qui se ferment tout seul depuis tout à l'heure. J'essaye de rester concentré, j'espère que ce que je dis est compréhensible. Mais je suis vraiment très fatigué quand les yeux se ferment tout seuls, c'est qu'il faut aller dormir. Je termine le cours et j'y vais. Cet amour détourne son cœur de la réflexion donc et de la préoccupation en ce qui est autre que son être aimé. Il possède son essence et il n'y reste plus aucune place pour autre que son être aimé. Donc là c'est l'amour suprême ce que tu peux avoir pour avoir. C'est quand dans le cœur, il n'y a que l'amour d'Allah, en fait. Tu rien d'autre, subhanallah. La mention de son être aimé, son amour et sa perfection possèdent les rênes de son cœur et dominent son âme, à la manière dont l'être aimé domine celui qui est sincère dans l'amour qui lui porte, même chez les euh, créatures simples, et qui réunit pour lui toute la force de l'amour. Nul doute, dit le Shir, que celui qui aime, lorsqu'il entend, il aime Allah, hein, Lorsqu'il entend, il entend par son être aimé. De même que s'il voit, saisi marche, c'est par lui, pour lui, en lui. Ainsi, il est en son cœur avec lui et son compagnon. D'accord? Et ce qui est mentionné ici, c'est une compagnie incomparable, qui ne peut être saisie par la seule information et connaissance de celle-ci. La compagnie d'Allah, ça ne peut pas réellement s'expliquer avec des mots. D'accord la formation et la connaissance de celle-ci ne suffisent pas. La question est donc une question d'état et non une pure question théorique. D'accord C'est une question d'état. Le fait d'avoir ici euh, l'amour d'Allah. C'est un état. Le fait que quand tu entends, tu entends du bien. Lorsque tu vois, tu le vois que du rire. Lorsque tu saisis, tu saisis que le licite. Lorsque tu marches, c'est pour aller dans une bonne direction, clairement. Littéralement, comme au sens figuré. Okay. Donc c'est une question d'état et non pas de théorie. Si l'homme peut connaître cela dans l'amour d'une créature pour laquelle il n'a pas été créé, ça arrive parfois, les gens voilà, ils font tout pour, comment dit, tout pour leur personne, tout pour leur amour, si l'homme est capable de faire cela pour une créature pour laquelle il n'a pas été créé, et qui n'est pas le fondement de sa nature, comme l'a dit l'homme connaissant sur l'amour, ta silhouette est dans mon regard et ta mention dans ma bouche. Et ta demeure dans mon cœur, alors comment pourrais-tu disparaître Donc lui, pareil, il était piqué, hein, il était atteint, hein, clairement. <laughs> très connaisseur de l'amour, très connaisseur des problèmes, lui. Quand on arrive à ce stade-là, c'est clinique, c'est fini. Bon, ta silhouette est dans mon regard, bon, je suis d'accord. Bah ben ouais, c'est vrai. Ta mention dans ma bouche, faut pas exagérer, mais d'accord. Mais ta demeure dans mon cœur, comment pourrais-tu disparaître bon, C'est joli, hein. Moi, je vous dis, euh, grande phrase d'amour, ça m'a fané, donc je, je suis plus trop sensible à cela. Surtout pour une créature. D'accord Évidemment qu'on ne peut pas dire qu'Allah, il a une silhouette, mais en tout cas, si la mention d'Allah est sur la langue et que le fait de s'imaginer auprès d'Allah, cette station-là est dans le cœur, Alhamdulillah et c'est ça qui doit pas disparaître. Ce qui veut pas dire qu'on doit détester les gens. Hein on ne doit pas les aimer comme on aime Allah ici. Et un autre poète a dit Étonnamment, je brûle pour eux et j'interroge à leur sujet ce que je rencontre alors qu'ils sont avec moi. Mes yeux les cherchent alors qu'ils sont dans mes pupilles. Et mon cœur les désire alors qu'ils sont dans ma poitrine. On terminer. Et je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, là. Je vais juste terminer les propos des, des, des poètes. Et reprendre à un moment donné un, un, autre, un autre passage, puisque ça s'enchaîne, le chapitre ne se termine pas tout de suite. Et euh, je, je terminerai au prochain cours, Inch'Allah. Voici les propos d'un autre poète au sujet donc de cet amour. Si je dis que tu es absent, mon cœur ne me croit pas, car tu es en lui, en secret, et ne t'absente jamais. Et si je dis que tu n'as pas disparu, l'œil dit que c'est un mensonge. Je suis donc confus entre la véracité et le mensonge. C'est-à-dire que l'œil dit que non. Il n'y a plus personne, mais tellement il regrette son amour perdu, il est toujours à mon cœur. Loin des yeux, près du cœur, comme ils disent. Moi, je dis loin des yeux, loin du cœur. Tu t'éloignes de mes yeux, je ne te vois plus, je t'aime moins. À part un amour inconditionnel comme un enfant, une mère ou un père. Ça, c'est différent. Tout le reste, tu n'es pas en face de moi, bah, je t'aime de moins en moins, ce qui est logique. Hein. À moins que ce soit aussi une forte amitié en Allah et des frères qu'on ne peut pas toujours voir, certes. Comme dit le a les frères, je les croise une ou deux fois par an, je les aime plus que ceux que je vois tous les jours. Et c'est valable pour moi. Déjà, j'évite d'en croiser tous les jours. On évite les problèmes. Alors là, on reste tout seul. de Alhamdulillah. Pas besoin de compagnie bizarroïde. Mais il y a des frères, je les vois qu'une fois ou deux par an. C'est un amour qui ne bouge pas. Mais encore une fois, parce que c'est un amour pour Allah. C'est pas un amour mondain. Si c'était mondain entre eux et moi, on n'aurait plus rien à se dire. On ne s'est pas vu depuis un an. Qu'est-ce qu'on a à se dire Puisque notre relation était que mondaine. Il n'y a pas vraiment d'amour, un frère, je peux le voir qu'une fois par an, ça bouge pas, c'est un grand plaisir, c'est et l'amour n'a jamais changé. Hein et j'ai déjà dit ça à mes frères, ils le savent comment je les aime. Quand j'aime, j'aime vraiment, quand j'aime pas, j'aime vraiment, vraiment pas. <laughs> du coup, voilà. Donc encore un, un torturé de l'amour, voilà, qui n'arrive pas à mettre en accord ses yeux et son cœur. Les yeux disent il est plus là, ou Il est plus là, c'est terminé, là. arrête, arrête toi. Le cœur dit non, encore, ça suffit, on t'a dit. Il n'y a donc rien de plus proche de celui qui aime que son être aimé. Et, et, et l'amour, on sait pour une créature, et l'amour peut même le dominer au point qu'il soit plus proche de lui que sa propre personne, si bien qu'il s'oublie, mais n'oublie pas l'être aimé. Comme il a été dit, je veux l'oublier à tout prix. Mais c'est comme si on me représentait Leïla par tout moyen. Donc il est encore sur Leïla, vous savez, celle qui a des seins que personne n'a vu là. Mais que lui fantasme dessus là. Cette, cette Leïla là, vraiment. <laughs> cette tentatrice. Je veux l'oublier à tout prix, mais c'est comme si on, on me représentait Leïla par tout moyen. Il la voit partout en fait. Il la voit partout. Il n'arrive pas à l'oublier, ce prénom. Il est comme possédé. Et un autre a dit, et on termine là-dessus, on conclut. Il veut de son cœur qu'il vous oublie, mais sa nature. S'y refuse. Il ordonne à son cœur d'oublier une telle, mais sa nature s'y refuse, c'est-à-dire que c'est devenu carrément une seconde nature pour lui. Il vit vraiment pour, pour l'être aimé. Alors, ça, pour Allah, oui. Oui, que ça transcende tout, oui, mais pour une créature, bah, non, jamais. C'est haram, c'est même shirki, on le voit ici. C'est important de le préciser. Voilà, on reprendra en page 251. On repartira sur le hadith mentionne spécifiquement, Louis il a vu, etc. On repartira sur ça. On terminera ce chapitre. Et on en entamera un autre probablement dans le cours. Et en une heure, on aura le temps avec ben, la définition de l'amour servile, justement. Tataïoum. Avec plein de détails. Il y a plusieurs pages à ce sujet. Il y a beaucoup à dire. Après, il y a les quatre types d'amour, etc. Alhamdulillah, en espérant que ce soit clair et bénéfique, encore une fois. Et je dis Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'lam wa ahkam. Huma wa bihamdik. ant. أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته